peu de mon parcours et de ce qui m'a conduit à écrire Les Trois Gaunes mènent l'enquête. Il faut savoir que j'écris depuis très très longtemps, depuis que je sais écrire en fait. Et j'ai toujours eu à cœur de raconter des histoires, de faire voyager un peu les gens. Et on m'a demandé d'écrire quelque chose sur Pauline Géricault à l'occasion de sa béatification. On m'a suggéré d'écrire une pièce de théâtre. Et c'est vrai qu'avec avec une sorte typiquement lyonnaise, avec le côté guignol, je me suis détaché de cet imaginaire que j'avais d'un 19e siècle très austère pour écrire quelque chose d'un peu frais, d'un peu innocent, et permettre à tous ceux qui liront mon livre de découvrir Pauline Géricault au travers du regard de trois jeunes gaunes. C'est comme ça qu'on appelle les enfants à Lyon. Qui ne sont pas dans l'adoration d'un personnage extraordinaire, mais dans la proximité de quelqu'un qui est capable de les écouter et qui va les guider vers un chemin de sainteté qui leur est propre et qui va leur permettre de grandir, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important avec Pauline Géricault, quelqu'un qui va nous accompagner pour grandir sur un chemin de foi.